En Ligue 1, je suis en 96 buts. Il n'en manque pas beaucoup pour atteindre la barre. Cette barre descend. Ça me travaille. Mon premier, c'était à Auxerre. Le dernier serait cool que ce soit à Auxerre aussi. C'est carré. Si aujourd'hui je suis là à faire une interview avec toi, c'est grâce à la GIA. Donc supporter Auxerre, ça sera toute ma vie. Moi, l'OM, depuis petit, je supporte. La GIA, c'est le club qui m'a formé, qui m'a mis sur la scène. Donc de toute façon, c'est les mêmes couleurs, c'est bleu et blanc. Donc il y en a un bleu qui est plus foncé, mais non, on reste dans le temps des bleus. Je regardais pas forcément tous les matchs, mais le jour de la montée, j'étais à l'aéroport en Guyane. Il n'y avait pas moyen que je rate le match. J'ai trouvé un moyen de le regarder sur mon téléphone. Ça va jusqu'au pénalty et j'ai attendu pour en marquer parce que je voulais pas perdre de temps au portique. Faut poser ton portable. Là, t'as loupé la moitié du truc. Tu tires la gagne. Tu tires la gagne. Oui. Là, c'est le cœur qui parle. Tu veux te retenir parce que t'es à l'aéroport ou dans la rue où il y a du monde, mais tu es là, tu sais pas en fait. Viens, on va à Paris. Ah, putain, qu'est-ce que vous parlez là? Mais non, la Paris, c'est par là, frère. En Ligue 1, je suis en 96 buts. Il n'en manque pas beaucoup pour atteindre la barre. Cette barre descend. Ça me travaille. Mon premier, c'était à Auxerre. Le dernier serait cool que ce soit à Auxerre aussi. Ça serait un honneur. Ça serait une très très belle histoire. Et aussi, le fait de ramener mon expérience, de ramener mon vécu dans le vestiaire, ça pourrait être cool. Oui, après de la dire, je serai titulaire tous les matchs. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais rendre des services et faire des rentrées sur des fins de match, largement. Non, au départ c'était une idée avec un de mes plus grands supporters qui est devenu un pote maintenant qui s'appelle Emeric. Chaque année, il me chauffe pour que je reprenne et il n'en faut pas beaucoup. Donc j'ai répondu sur les réseaux et l'étincelle a pris. Et s'il y a eu une opportunité, on regarde.